Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici un petit peu les messages à transmettre comme toujours. J'espère que vous passez en tout cas un bel été, les amis. Alors nous, je commence à peine à avoir un petit peu de soleil, donc c'est cool. Ça fait du bien au moral. C'était sous la flotte que je l'ai passé. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ouh là 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 là, ça commençait bien et puis après ça s'est dégradé. Ok. Bon, c'est intemporel, hein, le cirage, comme toujours. Et prenez bien évidemment, ça fait écho, hein, parce que ça reste du général sur YouTube. Ok, d'accord. On dirait que pour certaines personnes, vous êtes dans une relation sentimentale, alors qui est en arrêt, hein, visiblement, parce qu'on est en mode break. Alors attention ici, hein, à ne pas trop vous maintenir dans l'illusion d'un éventuel retour de cette personne. C'est ce qui complique, hein, visiblement, ce qu'il y a à faire comme travail ou comme le fait de vous prendre en main aussi, éventuellement avec la carte des outils. On voit bien que c'est en difficulté, en tout cas, à faire ce travail-là, parce que dû à ces illusions, le fait d'avoir du mal à percevoir la réalité telle qu'elle est, on voit bien que il y a de la difficulté. Ça peut être aussi qu'il y a des personnes autour aussi. Alors l'amitié, ça peut être des personnes à qui on est lié, hein, qui peuvent être aussi une entrave dans la situation. Mais ça peut être aussi la relation en elle-même, hein, ici, de maintenir ce lien semble compliqué. Hein, d'accord? Ça peut être aussi avec la carte de l'amitié, hein, au niveau relation sentimentale. Ça peut m'indiquer aussi que c'est quelqu'un que vous avez dans votre entourage. Ça peut être le genre de relation entre l'amour et l'amitié. Ça peut être aussi l'amour qui s'est construit parce que c'est quelqu'un qui a fait partie de votre entourage à un moment donné. On voit bien que, de toute façon que le lien ici qui a pu y avoir est bloqué, hein, de toute façon avec la carte de la montagne. Ah. Pourquoi c'est bloqué? Parce que c'est dû à ces illusions. Peut-être que vous êtes focus à ce retour de cette personne, mais sans aller chercher à travailler sur ce qui ne va pas à l'intérieur de vous, avec la carte de la crise et les outils. Hein, d'accord? D'accord, pardon. Donc là, il y a une difficulté à se prendre en charge, soi-même, et ne pas être tourné sur ce que fait l'autre, ce que l'autre avance de son côté, ce que l'autre chemine de son côté, etc., etc. Donc là, il ne faut pas trop focus sur l'autre, mais plutôt sur soi. Visiblement, parce que sinon, bah, ça bloque et on se maintient dans une certaine forme d'illusion, d'un éventuel retour, etc. De toute façon, même s'il y a un retour, il y a, de toute façon, tant que le travail, au lieu que ce soit l'amour, c'est plutôt l'amitié qui primera sur l'amour. D'accord? C'est-à-dire que ça restera au stade de cordialité, mais sans plus. D'accord? On ne peut pas aller en profondeur. Ça restera plutôt en mode surface. Okay? Donc en superficialité. Ok. On va aller voir ici avec celui-là. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Votre énergie à vous qui me regardez. Votre énergie à vous. Ah ouais, vous êtes en dualité, hein, mais vraiment en conflit. Ah, ça bat fort. Alors, soit c'est avec votre fort intérieur, soit par rapport à l'autre. Hein, mais en tout cas, mais vraiment, hein, vous voyez, on est en train de batailler. En lutte, j'ai envie de dire. Peut-être avec vous-même déjà, et puis avec l'autre aussi, hein, j'imagine, parce que ça peut être aussi une guéguerre d'ego. On peut le percevoir comme ça aussi. Mais ça peut être aussi avec soi-même, avec ses propres démons. Surtout quand on est dans la carte de l'illusion, c'est qu'on a du mal à regarder la réalité, on a du mal à regarder cette relation avec avec le bon prisme au niveau de ce comment on la regarde et comment on la comprend, qu'on l'intègre, d'accord? Donc d'où cette dualité à l'intérieur de soi. Donc il y a des conflits, hein, il y a des conflits aussi vis-à-vis de l'autre. On a du mal, on s'aime et pourtant l'amour a du mal à prendre place au sein de cette relation, hein. Ça a du mal à primer, hein, visiblement, cet amour. Et l'énergie de l'autre en face de vous. Ah oui, lui, il est en train de parier. Alors, il se fait illusionner aussi, hein, quelque part. Alors, est-ce que cette personne, elle est bloquée avec des personnes proches de lui au niveau des amitiés, des personnes auxquelles il est lié, à qui il est attaché, pourquoi pas? Parce que ça peut être aussi quelqu'un qui se fait un petit peu comme ça, illusionné. Donc, il peut se faire avoir, cette personne aussi, pourquoi pas, possible que ce soit le cas. Oui, on peut le percevoir comme ça. Cette personne aussi a du mal avoir peut-être certains liens qui ne lui sont pas forcément favorables et qui le freinent beaucoup, par exemple, possible. Il peut prendre aussi des risques assez importants qui peuvent l'amener la tête dans le mur quand même, cette personne.
On dirait qu'elle a du mal à calculer les risques sous prétexte que ce sont, mais non, c'est mes amitiés, mais non, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure pote, non, mais jamais elle me trahira, non, c'est mon frère, c'est ma soeur, mais jamais de la vie, la famille, c'est la famille, blablabla, hein. Cette personne, elle peut se faire avoir par rapport à ça, justement, hein. C'est comme si on lui jouait des petits tours de passe-passe, bah pour le carotter, en fait, hein, tout simplement. Et peut-être que vous aussi, vous êtes en lutte à lui faire comprendre les choses, mais non, ne te fais pas avoir, arrête, regarde, blablabla. Mais bon, alors là, vous, j'ai envie de vous dire, perte d'énergie, perte de temps, ça ne sert à rien. Hein. Ne lui mâchez pas le travail à cette personne. Donc si elle doit se taper la tête contre le mur, malheureusement, bah, pour qu'elle puisse intégrer sa leçon de vie, bah, faut qu'elle se tape la tête contre le mur. Moi, la première, j'ai dû me taper la tête contre le mur pour comprendre et intégrer certaines choses. On ne peut pas le faire autrement. Enfin, c'est un peu compliqué, oui. Si on développe une certaine forme de sagesse, pourquoi pas? Mais parfois, on a certaines expériences qui sont nécessaires pour intégrer certaines choses. Donc arrêtez peut-être de lutter, c'est vous qui êtes là dans la lutte pour faire comprendre que les personnes qu'elle a, cette personne dans son entourage, ne sont pas forcément bonnes, etc. etc. J'ai l'impression que ça se retourne plutôt contre vous qu'autre chose, puisque votre relation à vous, elle est mise en stand-by, en arrêt, et ça stagne et ça n'évolue pas. Et c'est dommage. Donc voilà, donc là, arrêtez peut-être cette lutte-là, vous de votre côté à ce moment-là. Cette personne, elle doit se faire peut-être illusionner, etc., par rapport à ces personnes-là. Bah, laissez-la, en fait, expérimenter, comprendre sa leçon, comprendre qui sont ses véritables amis, qui sont ses véritables alliés, qui est la personne qui l'aime véritablement. Bon, visiblement, c'est vous, hein, dans le tirage. Bon, maintenant, cette personne, il faut qu'elle le comprenne peut-être et qu'elle l'intègre d'elle-même. Et ça passera par l'expérience. Voilà, on ne peut pas mâcher le travail à quelqu'un, c'est son taf, c'est son travail. Donc c'est pour ça que peut-être que vous, justement, allez travailler sur votre tiraillement, sur quoi vous êtes en lutte, arrêtez de lutter, d'ailleurs, lâchez prise. C'est un manque de lâcher prise hein, dans cette carte-là de votre côté. Donc lâchez prise, vivez ce que vous avez à vivre, expérimentez aussi de votre côté ce que vous avez à expérimenter, parce que dans cette situation, personne n'est parfait, ni vous, ni cette personne en face de vous. Et que chacun a ses raisons, chacun a ses torts. Donc voilà, donc c'est, j'ai envie de dire, c'est partagé, c'est 50-50. Donc peut-être qu'il y a du taf à faire de chaque côté, bien évidemment, de part et d'autre. D'accord? Donc voilà, donc là, peut-être qu'il y a quelque chose qui on va dire, en animosité de votre côté, il faudra le calmer. Et cette personne, bah, peut-être qu'elle a une perception de la réalité qui n'est pas du tout en accord justement avec cette réalité. Il faut peut-être qu'elle ouvre les yeux, qu'elle prenne de la hauteur sur la situation. C'est pas parce qu'on a des amis qui sont véritablement nos amis, etc., etc. Donc qu'elle choisisse mieux ses propres alliés à ses côtés. Bon, après ça va passer plutôt, ça prendra du temps. Hein, voilà, ça prend du temps. Donc faut laisser le temps aux gens. Faut pas presser. C'est pas le but de les secouer. Au contraire, ça donne même tout l'effet inverse. Donc ça sert à rien. Ok. Alors la situation entre vous. Ouais, bah vous êtes divisés, hein, de toute façon. Voilà, regardez-moi ça. Il y a tout qui vous sépare. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est l'épée qui est plantée au milieu, qui est en train de partir dans le fossé. Voilà, la terre qui s'est divisée en deux. Vous êtes dans votre territoire. Cette personne, elle est dans son territoire. En plus, elle se tient assez fermement face à vous avec les poignets comme ça. Et vous êtes là en mode croisé, vous croisez les bras. Genre, je me laisserai pas faire. Et on voit l'épée au milieu. Donc, il y a de l'amour, mais il y a des tensions, il y a des conflits, on est en désaccord et ça vous divise au lieu que ça vous rassemble et que ça vous lie, en fait. Donc, il y a bien une division hein, dans cette situation avec votre autre. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a des choses à réparer, il y a des choses à entreprendre, il y a des choses à prendre en main pour pouvoir justement retrouver de la sérénité. Alors, pourquoi pas aussi avoir plutôt une approche plutôt amicale dans la relation. Alors vous savez, quand on a un meilleur ami, on le traite super bien. Voyez, on a une attitude quand on est avec un meilleur ami. Déjà, on est soi-même et puis on accepte l'autre, on aime l'autre, on est là à ses côtés aussi. Puis quand il fait une bourde, on lui dit, ouais, qu'est-ce que tu fais, tu vois? C'est un peu normal. Mais après, il faut pas non plus trop insister parce qu'à un moment donné, quand on insiste trop, c'est qu'on veut diriger la vie de l'autre et là, c'est pas normal à ce moment-là. Et là, on tombe dans l'excès et là, c'est pas bon. Et là, au contraire, ça divise au lieu que ça rassemble. Donc là, il y a clairement une division au sein de cette relation. Alors peut-être qu'il y a effectivement des personnes autour de vous sur lesquelles vous n'êtes pas du tout en accord. Peut-être qu'il y a des projets, peut-être qu'il y a des situations. Peut-être qu'il y a peut-être même aussi un lieu professionnel aussi hein, pour certains qui vous divisent. Ça peut être aussi des amitiés, ça peut être aussi les collègues. Alors vous voyez, des fois, quand on est dans des entreprises, parce que
que la statue dans laquelle on occupe ou le poste qu'on occupe ne nous permet pas de flirter, par exemple, en super hiérarchique avec le salarié, etc., qui fait que le poste aussi nous oblige, des contraintes, etc., qui fait que voilà, on ne peut pas. Et en plus, ça crée de l'animosité. Peut-être que les collègues, justement, le remarquent et en parlent et ça peut forcément pas donner une bonne image, etc. Donc, surtout si on fait très attention à son image qu'on véhicule. Ouais, voilà. Donc, ouais, là, j'ai l'impression qu'on est face à quelqu'un, on n'a pas forcément les mêmes valeurs, on n'a pas forcément. Alors, vous n'êtes pas si différent hein, que ça, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vous séparent. Oui, il y a des choses qui vous séparent, vous n'êtes pas du tout en accord l'un avec l'autre, vous avez une vision des choses, cette personne-là a une autre vision des choses, et forcément, ça heurte. Hein, forcément, ça heurte, et comme ça heurte, bah, ça crée des secousses et ça crée de la division ici, hein, dans la situation. C'est pour ça que vous êtes ici en conflit, hein, de toute façon, dans une énergie de conflit. Et cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle se fait plutôt amadouer. On ne va pas aller par quatre chemins dans l'énergie d'à côté, peut-être. Mais voilà, si vous êtes ici plutôt en break dans la relation sentimentale, mais peut-être avoir des rapports amicaux pourrait aider, ou même l'amitié pourrait aider, parce que visiblement, l'amour est plutôt assez conflictuel, c'est assez compliqué. On voit bien qu'il y a des tensions, il y a des crises dues à une mauvaise compréhension de la réalité, à la carte des illusions. Mais collaborer, avoir un contact plutôt amical, faire les choses en partenariat, etc., pourrait aider dans votre situation ici à améliorer, d'aller peut-être pourquoi pas revoir certaines choses dans la relation sentimentale telle qu'elle est, elle comme elle est, qu'est-ce qu'il y a à défaire, qu'est-ce qu'il y a on va dire, à réparer, hein, surtout avec la carte des outils. Mais c'est intéressant hein, qu'on a ici, alors les signes, on a le lion. Bon, je suis pas étonnée, on a deux fois le bélier, on a de la balance, on a du poisson et on a de la vierge. Voilà, au niveau des signes astro. D'accord. Intéressant. De votre côté, qu'est-ce qu'on pourrait me donner de plus? Ah oui. Alors vous. Vous espérez ici certaines choses et vous voyez loin. Vous, vous êtes focus sur peut-être. C'est-à-dire que c'est comme si vous calculez un petit peu les risques avec une vision globale et une vision de ce que où ça peut amener comme situation ici. C'est comme si vous savez analyser, calculer la situation sur comment ça pourrait donner ou déboucher comme résultat dans ce qui est à venir. On voit bien que vous êtes quand même nourri d'espoir hein, avec la carte de l'étoile. Et puis la carte de l'étoile me montre aussi que par rapport à vos aspirations, vous savez aussi vous mettre à l'abri, vous protéger justement par rapport peut-être à vos planifications avec ce 3 de bâton. Pourquoi pas aussi, peut-être vous êtes aussi dans une planification de voir loin, de voir vers d'autres horizons, etc. Donc vous savez aussi peut-être repérer aussi vos meilleurs alliés avec un 3 de bâton, d'accord? Avec la carte de l'étoile, on est protégé, d'accord? Donc c'est comme si vous savez quand même, c'est comme si vous savez, contrairement à cette personne, vous savez qui sont vos alliés à vos côtés, qui ne l'est et qui ne l'est pas, parce que vous avez peut-être cette vision des choses, cette bonne analyse de la situation que cette personne n'a pas. Maintenant, c'est pas parce qu'elle ne l'a pas à l'heure actuelle, je ne dis pas qu'elle ne l'aura jamais, hein, bien évidemment, on ne condamne personne, hein, c'est pas le but. Peut-être qu'à l'heure actuelle, effectivement, elle est tellement prise par les liens dans lesquels elle est qu'elle a du mal à le voir, mais peut-être qu'elle le percevra quand elle doit le percevoir. Ok, faut laisser le temps au temps, hein, ici. Donc là, on dirait que vous, de votre côté, c'est ça aussi hein, qu'on a. Alors, même si vous êtes rempli d'espérance, d'espoir par rapport à ce que vous souhaitez aussi, vous êtes aussi dans une vision sur du long terme, alors peut-être que vous souhaitez aussi, pourquoi pas, créer une relation où on est naturel, où on est bien avec l'autre, on est vraiment, j'allais dire, complet avec l'autre, mais on est complet dans la manière dont on est avec l'autre. Et vous êtes aussi dans une perspective de vouloir être avec quelqu'un, parce qu'on est comme un 3 de bâton, on est dans le lointain, dans une vision lointain, d'accord? Donc on est plutôt sur des projections futures, hein, ici avec un 3 de bâton. Et rempli d'espoir avec cette carte de l'étoile. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça heurte quelque part aussi avec cette personne, parce que lui, il est dans une vision à long terme. Ouais, ou alors est-ce que c'est autre chose qui est en complet, enfin, qui est en désaccord, on verra. Et lui, cette personne, qu'est-ce qu'on peut me dire de son côté? Oui. Ouais. Alors, cette personne, elle est focus sur le professionnel.
Alors c'est assez particulier parce qu'on dirait qu'elle est, on dirait quand même, on dirait qu'on est sur un tirage où vous êtes tout de même soit sur un projet commun, soit au niveau professionnel. Vous avez quand même un professionnel, je pense ici au milieu, hein, qui vous a relié peut-être de base, je ne sais pas à voir, mais possible. Mais on voit bien que cette personne, elle est dans le concret. Elle est dans la matière. C'est je dois faire, je vais faire, je démarre des projets. Alors peut-être qu'elle veut démarrer des projets, mais peut-être que la manière dont elle s'entourait de par rapport à son projet, cette personne, peut-être qu'elle n'est. Ah, j'ai l'impression qu'elle a du mal à calculer les risques. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça dans cette. Ouais. Parce que là, c'est comme si cette personne, elle entreprend hein, des choses concrètes dans la matière, parce qu'elle est dans l'énergie du démarrage, elle démarre quelque chose. On voit bien qu'elle elle met les efforts nécessaires pour démarrer sur quelque chose de concret. Mais par contre, maintenant, est-ce qu'elle n'est pas en train de se faire illusionner dans la situation où elle est en train de prendre des risques assez conséquents et qu'elle n'arrive pas à calculer justement ces risques? J'ai l'impression qu'il y a peut-être un manque de connexion à la réalité, justement, peut-être. Ou alors elle est juste focus sur son projet professionnel ou sur son projet personnel, je ne sais pas, c'est peut-être aussi des constructions, c'est peut-être des travaux aussi, hein, le 8 de denier. Elle est en train de faire ce qu'elle a à faire, très concrète dans la matière, elle ne se pose pas mille et une questions hein, ici, de ce que je vois. Elle est très dans la matière, d'accord? C'est peut-être vous êtes peut-être ici un peu plus dans le côté un peu plus émotionnel, plus psychologie, peut-être même plus spirituel. Cette personne, c'est plutôt c'est du concret, concret, point. Hein? On va pas aller par quatre chemins. Voilà, c'est concret, concret. Donc, parce qu'elle a quand même deux données, avec des cartes de données, donc on est un peu sur quelque chose qu'elle démarre. Qu'elle démarre et elle va être assez focus hein, sur ce qu'elle démarre, cette personne, parce qu'elle mettra tous ses efforts là-dedans. D'accord? Alors peut-être justement qu'elle n'aura peut-être pas le temps, l'énergie nécessaire par rapport à vous, à vous donner à vous, etc. Et qu'il y aura quelque chose ici qu'elle va devoir mettre de toute façon ici en break parce qu'elle est happée, occupée ailleurs. Ok? Ouais, et elle y va avec fougue et motivation. Elle a hâte. Alors, il faut attention avec le cavalier de bâton parce que souvent, justement, il y va à la hâte. Il ne calcule pas les risques. Oui, c'est je donne tout d'un coup et après plus rien. Hein. Et là, le problème avec le bâton, avec le cavalier de bâton. Alors, vous êtes ici avec un 7 de coupe. Alors, est-ce que vous êtes aussi, il y a une forme d'illusion quand même chez vous aussi. Alors, j'arrive pas à le percevoir. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez du mal à prendre la bonne option avec ce 7 de coupe, à faire ce bon choix d'aller avec ce 3 de bâton, de voir plusieurs possibilités et à la fois de vous protéger et de suivre aussi vos aspirations quelque part que cette carte de l'étoile. Mais attention aussi à ne pas vous heurter ou à ne pas vous brûler les ailes aussi hein, de votre côté. Donc il y a peut-être quelque chose. Alors est-ce que c'est vous qui savez quelque part que cette personne elle a d'autres options et qu'elle choisit pas forcément les bonnes options? Et là on restera vraiment avec la cohérence depuis le départ de ce tirage. Pourquoi pas? Parce qu'on voit bien qu'il y a une forme d'illusion. Mais maintenant, si c'est vous par rapport à la carte de l'illusion, je pense que c'est surtout le fait que vous attendez peut-être que l'autre personne revienne vers vous, etc. Et que c'est comme si vous étiez un petit peu mis à l'arrêt dans une situation parce que vous étiez trop en conflit avec cette personne, vous avez du mal à vivre cette relation pleinement. Et vous êtes resté focus ou bloqué un peu dessus hein, par rapport à ça. C'est peut-être ça aussi votre illusion à vous. Parce que pour que vous puissiez, pour qu'elle puisse sortir de votre côté, c'est qu'il y a une part d'illusion aussi de votre côté. Alors, soit vous avez du mal à voir la réalité telle qu'elle est, soit il va y avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, et c'est à vous de faire le bon choix aussi, hein, quelque part. Parce que même le 3 de bâton, c'est des opportunités, c'est des ouvertures. Et le 7 de coupe, pareil. Maintenant, je reviens sur l'illusion parce qu'on l'a ici. Hein. L'illusion crée le conflit et crée le blocage, la difficulté. Donc, il y a peut-être aussi des illusions sur lesquelles vous êtes vous peut-être penché, que vous avez du mal à les percevoir telles qu'elles sont dans la réalité. Peut-être que vous avez du mal à voir la réalité telle qu'elle est également aussi de votre côté, même si vous pensez que vous avez une certaine forme d'analyse tout de même de la situation ou du recul sur la situation. Tout de même, d'accord? Sinon, vous ne serez pas en conflit ici, hein, dans cette lecture. Et la relation? Ah, elle demande à être transformée. Elle demande à ce que certaines choses aussi prennent fin avec la carte de la mort. L'arcane son nom, appelez ça comme vous voulez, mais
Là, c'est comme peut-être que cette division, ce conflit, cette crise, ce blocage doit prendre fin avec cette carte de la Morielle. Et la situation demande à ce qu'on apporte la transformation nécessaire. Peut-être que si là, la relation sentimentale, elle a du mal à être maintenue, pourquoi pas revenir, en faisant l'effort, à revenir de manière un peu plus, comme je vous ai dit, dans l'amitié. Ça pourrait vous aider. Ça pourrait peut-être sonder de nouveau votre relation et que petit à petit, vous revenez vers cette relation sentimentale plus dans l'amour et plus dans le côté chaleur qu'elle peut apporter au niveau relationnel. Mais peut-être qu'en passant par l'amitié pourrait aussi transformer la donne dans votre situation à vous, pourquoi pas. Sinon, ça peut être juste que la carte de la mort pour qu'on puisse enlever tous les conflits. Si c'est des blocages aussi au niveau d'autres liens avec d'autres personnes, ça demande aussi à être transformé, bien évidemment. Mais la relation en elle-même entre vous deux demande à être transformée à ce moment-là également. Et s'il y a eu conflit, division, bah, peut-être que ça doit prendre fin pour revenir de nouveau dans quelque chose à une bonne entente. Parce que la carte de l'amitié, c'est aussi l'entente, une bonne entente. D'accord? Des liens sont tissés, hein, de nouveau. Ok. Oui, il y a de la purification avec la carte du nettoyage. Donc, il y a clairement quelque chose qui est à nettoyer. Il y a des choses qui sont à reprendre en main. Il y a des choses aussi qui sont à ne pas se faire illusionner, hein, dans la situation où l'amour est toujours là. Peut-être que le côté amical, bonne entente, pourrait revenir au sein d'une relation où tout était un petit peu divisé, brisé, pour laisser place à la transformation, arrêter d'être en lutte, laisser aussi la place à l'autre. Il a le droit aussi d'exister au sein de cette relation. Il y a vous, il y a la personne, et puis il y a la relation au milieu. Cette personne, elle est en train de faire des efforts aussi dans une situation peut-être qu'elle a peut-être pas trop de temps à vous accorder. Ben, il faut peut-être le comprendre aussi. Peut-être que c'est ça aussi qui lui permettra aussi de faire son travail, son processus de son côté également. Hein, voilà. Parce qu'on peut voir aussi un côté peut-être travail de développement personnel avec un 8 de denier également. Peut-être chez cette personne, donc voilà. En tout cas, la situation demande à ce qu'elle soit purifiée pour laisser aussi peut-être jaillir la créativité, de bonnes idées, de bonnes choses qui peuvent vous inspirer l'un comme l'autre, etc., pour aller plutôt vers une énergie qui vient avec un élan du cœur que plutôt en conflit, en bataille, en lutte, dans la division, dans la sécheresse, etc., etc. Dans une pénurie de sentiments, d'émotions. C'est vrai que la personne, elle est plutôt assez concrète et dans l'action, puisqu'on est quand même sur le denier et le bâton. Vous êtes plutôt entre l'espoir, j'ai envie de dire, que vous nourrissez, l'action aussi, parce qu'on est quand même sur un 3 de bâton, et l'émotion. Alors attention aux émotions qui peuvent vous illusionner, justement, à bien filtrer, hein, parce qu'il y a plusieurs émotions avec un 7 de coupe, hein, tout de même. Donc à bien filtrer, justement, pour pouvoir mieux vous protéger et à revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel, parce que la carte de l'étoile, c'est ça aussi. On est dans une relation où on peut être véritablement nous-mêmes et être à nu dans cette relation. Donc voilà, peut-être revenir aussi à cette part d'authenticité, j'ai envie de dire, de vous-même par rapport à vos projets, par rapport à vos planifications, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous souhaitez en tout cas réaliser dans votre vie pour pouvoir justement lever le pied sur la relation et pour pas qu'elle vous bouffe ou que tout ne tourne pas autour de ça. Hein, bien évidemment, c'est pas le but. Parce que là, il y a énormément de créativité qui pourrait vous amener de belles idées de projets, de belles idées de vie, d'avenir, etc., que vous pouvez mettre en place. Surtout de ce côté-là, on voit bien qu'on est sur quelqu'un qui est assez focus par rapport à faire, à entreprendre des choses. On voit bien qu'il y a beaucoup de passion, peut-être aussi que cette personne tente, peut-être pourquoi pas, de mettre en place. Mais en tout cas, la créativité sera à son maximum. Si en tout cas, on arrive plus ou moins à bien nettoyer, clarifier, en tout cas ici, une situation, pourrait jaillir de belles choses assez créatives qui pourront faire du bien à l'un comme à l'autre. Et vous vous laisserez vivre tout simplement cette belle relation. Lâcher prise. lâcher prise. Alors, je pense autant de l'un comme de l'autre, même si je dirais plutôt un peu plus de ce côté-là, vous êtes en lutte. Mais de ce côté-là aussi, je pense qu'il y a un manque de lâcher prise. Il faut se laisser aller, accueillir ce qui est, même si c'est facile à dire qu'à faire, moi la première, surtout quand le truc t'es à fond dedans, t'as du mal à lâcher prise, moi aussi ça m'arrive, donc je peux que compatir et je comprends tout à fait. Donc c'est vrai que parfois juste lâcher prise, ça nous permet juste
juste d'être bien, de revenir se réoccuper de choses importantes pour nous. Ça nous fera énormément de bien. Laisser juste les choses se faire tranquillement, en fait. Et puis basta, pas trop se casser trop la tête. Parfois, trop forcer, ça ne sert strictement à rien. Alors que des fois, quand on est dans l'accueil, les choses peuvent facilement se débloquer d'elles-mêmes et tranquillement. Alors, d'elles-mêmes, il faut quand même faire des choses en place, mais des choses en place tout de même. Et puis après, lâcher prise, c'est comme si tu sais que très bien que ta commande, elle a été prise par le serveur. Et de toute façon, tôt ou tard, on finira par te servir ton plat que tu as commandé dans un restaurant. Voilà, tout simplement. C'est un petit peu ce que j'ai ici dans cette lecture. Maintenant, il faudra quand même que vous lâchiez prise et acceptez ce qui est. Et puis, faire aussi avec ce que vous avez peut-être aussi à purifier et laisser aussi cours libre à votre créativité pour pouvoir sortir le meilleur de vous-même dans cette situation. Et qu'est-ce qu'on avait à la fin? On avait le nom. Alors, il y a un manque de confiance, je pense, ici, pour certains. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a ce manque de lâcher prise qui crée aussi tous ces conflits, ces fausses illusions, etc., etc. Vous voyez, revenez dans cette carte de l'étoile qui sont vos aspirations, vos rêves, mais aussi votre authenticité, d'être le plus véritable et d'aller aussi vers vos projets, vers votre possibilité. Il peut y avoir aussi certains d'entre vous qui sont en couple. Et là, je vais avoir une dernière... Ça vient me faire tilt dans ma tête. C'est que vous êtes en conflit parce que vous voyez votre autre qui travaille beaucoup et vous pensez que peut-être qu'il peut vous tromper. Alors, pas du tout, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui est un vrai bosseur ici ou une vraie bosseuse. C'est juste qu'elle est assez happée par rapport à ses projets. Et vous, attention à ne pas vous faire illusionner en pensant que cette personne, elle s'en fout ou elle n'a pas trop de temps à vous accorder, etc. Non, ce n'est pas le cas, hein, d'accord? C'est juste que cette personne, elle est assez pris par ce qu'elle entreprend ici, dont elle se donne visiblement à fond, même s'il faut qu'elle fasse attention peut-être à ne pas se faire quand même avoir ou illusionner quand même cette personne hein, de son côté, parce que c'est particulier quand même qu'elle me ressort avec cette carte-là au niveau de ses énergies. Alors, si cette personne, elle pouvait t'exprimer quelque chose, et je m'arrêterai là, elle te dirait quoi? Je t'aime. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple. J'adore. Voilà, l'amour prime tout de même. Donc, essayez vraiment peut-être de travailler sur votre bonne entente, de faire des efforts là-dessus pour que, enfin, un retour au break, parce que le break, c'est aussi le retour au calme, hein, quelque part, et d'enterrer un petit peu la hache de guerre ici, hein, d'accord, et de transformer la situation en une relation plus positive et plus nourrissante et favorable pour vous deux que d'être un champ de mine pour l'un comme pour l'autre. Voilà, je vous laisse ici les amis, je vous retrouve prochainement, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, en tout cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao ciao les amis.